parle-nous de comment ça se passe, le Festival Montréal Bar et Bouffe. Bien, on est une 17 bars qu'on s'est rassemblés, toute la gang ensemble, pour faire montrer un peu ce qu'on fait, nous autres, qui n'est pas un club, qui n'est pas un restaurant. C'est des bars qui servent à manger, puis qu'on se force à faire à manger, puis il y a des bars. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on peut acheter des billets? Comment ça fonctionne? Non, on est... Je te présente sur place. On peut aller voir le hashtag Montréal Bar et Bouffe, où on a le site internet Montréal Bar et Bouffe. On a des bars, tu sais, dans Villeray, sur le plateau, dans Châteauguay-Maisonneuve. On se présente sur place. Trois duos, dans le fond. Fait que un duo avec la bière, et deux duos avec des cocktails qui sont à l'association avec la bouffe. On a quelques bars qui étaient là l'année passée qui sont rendus plus clubs. On a d'autres qui se sont rajoutés. On différencie, comme l'Assommoir ici n'était pas ici l'année passée. Fait que Vitar nous a passé sa place cette année pour qu'on puisse faire ça chez eux. Fait que du gros plaisir. Là, dans le Vieux-Montréal, on est bien contents d'être ici. Un petit mot sur le Festival Montréal Bar et Bouffe. Le Festival Montréal Bar et Bouffe, là, c'est super cool. C'est un rassemblement de 17 restaurateurs. Les gars se sont tenus ensemble et ont dit « Hey! » Ils ont tous pris un verre ensemble. Ils ont dit « On va faire un maudit party. On va faire un accord. » Cocktail et puis un plat axé sur le canard du lac Brome. Franchement, là, moi, je trippe, c'est génial. Youhou!